Comment changer la couleur du bouton Ajout au panier sur Shopify ou la couleur du bouton Ajouter au panier Alors En fait, c'est très simple. Vous allez vous rendre sur votre thème. Je vais prendre par exemple le thème de Offert Gratuit qui n'est pas installé par défaut sur Shopify. Je vais cliquer sur Personnaliser. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur Paramètres de thème. Vous avez Color et là, vous avez tous les, euh, les éléments que vous allez pouvoir changer. La couleur des éléments que vous allez pouvoir changer. Donc pour qu'on puisse le voir, je vais me rendre sur une page produit. Donc sélectionner une page, je vais mettre page de produit. Voilà, je suis sur ma page de produit et là on va changer le, le bouton, la couleur du bouton ajouté au panier. Donc je vais me rendre sur Color. Donc là vous voyez bien, je suis Paramètres de thème. Je suis pas dans Section, je suis dans Paramètres de thème. Color. Et là vous avez Bouton. Donc, vous allez pouvoir modifier la couleur du bouton. Vous voyez, le, le, le bouton change de couleur. Alors, selon les thèmes, vous n'allez pas avoir bouton. Ça va être plus précis. Là, c'est un thème gratuit. Donc, en fait, vous changez la couleur de tous les boutons. Selon le thème sur le, dans lequel vous, enfin, que vous utilisez, en fait, vous n'aurez pas forcément bouton. Vous allez avoir, par exemple, euh, carte bouton. Vous allez avoir euh, add carte bouton. Vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus précis. Donc, pas de souci. Pour cela, vous pouvez faire un CTRL F sur votre clavier. CTRL F. Ça va permettre de chercher sur la page tout, euh, les, toutes les occurrences d'un mot clé donc par exemple je tape buttons. et là, vous voyez j'ai tout qui est surligné en, en jaune pour voir en fait euh, tout, euh, tous les éléments qui ont un rapport avec bouton donc faites pareil sur votre thème vous allez pouvoir voir d'un seul coup d'œil quels sont euh, les petits carrés les petits éléments à modifier là par exemple vous voyez il y a texte bouton donc ça a modifié le texte qui est dans le bouton si je, là c'est blanc si je mets noir vous voyez Hop, je peux mettre bleu. Bon, je vais remettre blanc. Mais grosso modo, voilà, vous avez tout comme ça. C'est aussi simple que ça. Normalement, tous les thèmes vous permettent de modifier les boutons d'ajout au panier. Et si ce n'est pas le cas, alors changez de thème parce qu'il y a vraiment un souci. Euh, en tout cas, je vous ai mis un thème d'ailleurs intéressant sous cette vidéo, c'est le thème Speedfly qui est très puissant, qui vous permet de faire énormément de choses. Donc c'est un des thèmes que j'utilise parce que vraiment, euh, il, vous, il y a énormément d'options et normalement, certaines options sont payantes dans d'autres thèmes, c'est-à-dire que vous allez devoir installer des applications payantes pour pouvoir y accé et accéder. Là, elles sont automatiquement installées dans le thème et donc c'est super pratique. En plus, vous avez un code promo juste en dessous, je vous donne hein, dans le lien de la vidéo pour que vous ayez le thème encore moins cher. N'oubliez pas aussi qu'il y a une formation gratuite sous cette vidéo. Dans la description de cette vidéo, je vous offre ma formation qui vous explique de A à Z comment créer votre boutique Shopify, comment l'optimiser. Je vous explique vraiment tout. Puis, si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo, s'il vous plaît, c'est super important. Abonnez-vous à cette chaîne, c'est super important également. Je vous offre du contenu gratuit. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.